Bonsoir tout le monde, alors moi c'est Mehdi, je suis cofondateur de La Criée, qui est une application qui vise à faciliter au maximum la vente et l'acquisition de produits à proximité. En fait, si vous voulez, on est parti d'un premier constat, c'est qu'on était tous aujourd'hui hyper connectés, on a tous des smartphones et souvent des tablettes à la maison. Et un deuxième constat, c'est qu'on a souvent des produits, des objets dont on n'a plus forcément l'utilité ou l'usage, ben, on va les jeter ou les stocker. Et alors c'est là qu'on s'est dit, on va créer une application qui va changer la donne. Alors La Criée, c'est simple, aujourd'hui le vendeur, il sort son smartphone, il prend une photo du produit dont il a envie de se séparer et il fixe un prix de vente. Il n'a que ça à faire. Dès qu'il sera notifié, c'est que son produit se sera vendu. De l'autre côté de l'interface, il y a un acquéreur qui est à proximité parce que l'application est géolocalisée. Donc cet acquéreur, on va lui proposer des objets et des produits ciblés. Et surtout une interface de type Tinder, une interface qui est simple. Alors je ne sais pas si vous savez comment ça marche. Donc vous avez un produit, à gauche vous n'aimez pas, à droite vous aimez. À partir du moment où la personne est intéressée par un produit, elle a deux options qui s'offrent à elle. Soit elle fait un paiement avec sa CB directement et à la façon Blablacar, on lui envoie un code qu'elle remettra au vendeur contre le produit bien évidemment. Deuxième option qui s'offre à elle, elle aime le produit, mais elle n'a pas forcément envie de l'acheter au prix qui est affiché. Donc, elle va le liker, il va dans son panier et le dimanche, elle va pouvoir tenter de l'acheter aux enchères. Bien évidemment, il faut que le produit, entre-temps, il ne se soit pas vendu. Les enchères commencent au prix plancher du vendeur. Donc voilà, l'intérêt, c'est de pouvoir avoir une deuxième chance d'acheter le produit. On maximise les chances de vendre pour le vendeur, il ne perd plus de temps. Et l'acquéreur trouve le bon produit au bon prix et à proximité. Donc on a pris, je ne sais pas si vous avez compris, mais on a pris le meilleur du bon coin, le meilleur d'eBay avec les enchères, qu'on a ramené à quelques heures le dimanche, le meilleur de Blablacar avec la sécurisation du paiement et le meilleur de Tinder avec son interface qui est simple, tout simplement pour faire une application qui soit le plus simple possible, qui soit divertissante et sécurisée. Voilà, donc c'est une application qui participe bien évidemment à l'économie circulaire. On se veut de plus en plus éco-responsable. Et donc voilà, on donne une deuxième vie au produit et en même temps, on fait des compléments de revenus. Tout le monde est content, tout le monde est gagnant. Merci à tous et j'espère à très bientôt.